Dans le cadre du lancement de l'opération Kimbo Peto, la plateforme Écho des Mamans a participé dans la matinée au go du bourgmestre de la commune de Limété, Douglas Nkoulou. Dans son allocution, le bourgmestre a remercié le chef de l'État de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le maire de la ville, Gentili Ngobila, pour cette grande vision de rendre plus belle qu'avant la ville-province de Kinshasa. Le moyen, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Longonya mingi na muto ayeli biso programme ya Bopeto, son excellence Gentili Ngobila Mbaka, tobetele maboko. En outre, il s'est adressé à la population de sa commune en leur incitant à travailler pour faire de la commune de Limété le numéro 1 en propreté. Donc Limété toujours numéro 1, toujours numéro 1, numéro 2, alors toi tu as numéro 3. Les femmes de l'Écho des Mamans se sont joints à cette pensée. Elles se sont mises à travailler sous la houlette de la coordonnatrice adjointe, Madame Annie Njoli. On vit le femme d'avant. Le fait que quand il s'agit de Seigneur, ça sert un mot pour le coup de la maman, la salue toujours. Le coup de la maman, oui. Le coup de la maman, oui. Vous n'êtes toujours l'hiver. Cet acte, Écho des Mamans se démarque par sa diligence et se dit prêt à accompagner le chef de l'État. Kinshasa, Bekibila, Média Plus.